La vidéo que vous vous apprêtez à voir est certainement une très bonne vidéo. Je n'ai pas vu. Je vous invite à rester jusqu'à la fin de la vidéo et durant toute la vidéo. Pourquoi ? Parce que sur YouTube, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo et que vous ne coupez pas, etc., ça fait un watch time, ça fait des vues. Bienvenue mesdames et messieurs pour le best-of du Télévideo Games, TVG, week-end de folie. 5 jours d'event caritatif. Et je peux vous dire que clairement, j'en ai laissé une ou deux plumes et vous allez le voir. Je fais cette intro avant l'intro officielle parce que tout simplement j'ai supprimé le record de l'intro dans la caméra. Du coup, il y a des trucs qui spoilent dans ce décor et il y a des trucs qui vont changer, genre sur le plan d'après. Mais bon, bref. On va commencer tout bêtement par démonter notre setup. Bon, regardez, je vous montre. Comme à chaque fois, la même valise est utilisée pour le transport. Je pense que tout est bon. 14h41. Eh, de 20 minutes hein. Ça va en vrai, ça va de ouf. Regardez bien le décor. Merci à tous, bonne journée. Vous allez le voir, c'est peut-être pas très bien expliqué, mais j'ai très peu dormi pendant 5 jours. Et en gros, pour vous expliquer, l'event, c'était du mercredi au dimanche soir. Et le lundi matin, j'étais en cours. Et je ne pouvais pas louper ce cours parce que c'était un service sanitaire, je devais y forcément y être, bref, c'est compliqué. Venez en stream, je vous expliquerai tout. Mais en gros, pour vous donner une amplitude horaire de la vidéo que vous allez voir, elle commence le mercredi après-midi, juste après une journée de travail où j'ai commencé à 6h du matin, je me surveille à 4h30, comme tous les jours. Et elle terminera, peut-être, le dimanche, vers 3h30 du matin. Enfin, du coup, c'est lundi matin, 3h30 du matin. Et je me réveille à 7h pour aller en cours. Enfin, bref. Pff, elle est longue cette intro. Hein. Merci à tous de votre soutien tous les jours. Je vous fais un gros bisou. Il est stylé ce suite, hein. Vous allez le voir dans la vidéo. Putain, ce plan de cam, il est fou, hein, en vrai. Eh, d'ailleurs, regardez, vous aimez bien mes couilles. Enfin, c'est pour le téléthon, vous savez, moi, je les accroche ici. Ça va vous gêner, je suis désolé. On est parti, mesdames et messieurs. J'ai 234 km pour aller jusqu'à Bruxelles. Alerte PV. Votre cette destination se trouve dans une zone d'accès limité, les Bruxelles nécessitant un pass. C'est quoi ça? Mesdames et messieurs, j'ai 2h59. Voilà, j'ai 2h59, j'arrive à 18h38. On va essayer d'arriver à l'heure, donc on va partir tout de suite. Dado ? Hein ? Ouais ? Est-ce que tu veux dire bonjour à la vidéo ? Oui, mais t'es en vidéo ? Bonjour à la vidéo de Bichard ! Mais attends, mais t'es en vidéo ? Ouais, là je suis en vidéo là ! Je suis en stream ! Mais Ah, mais t'es en stream ? Mais oui ! Je suis en stream en voiture là ! C'est pas vrai ! Merci, c'est grâce ou quoi pour les 5 subgifts ? Je trouve ma gueule là ! Non, 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 vas-y, va voir ! C'est quoi, connard ? Non, je suis en vidéo. Ah, mais tu fais un vlog. Un vlog. C'est ça. Ah. Bonjour. Oui. Je suis complètement d'accord avec vous. Et je pense pas malheureusement, le patron n'est pas là pour le moment. C'est toi le patron. Je demanderai. Mais c'est lui le numéro. C'est lui le patron. Vous avez notre mail ou vous voulez le... Damien26@gmail.com. C'est ça, monsieur. C'est ça. Bah, je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Merci. Je t'emmerde, pareil. Je vais pas me concentrer. Bon, attends, je coupe la vidéo, comme ça on va pouvoir parler de choses secrètes. Ouais, bien sûr, de choses secrètes. Bon les frérots, on est arrivé, il est 18h54, on est devant l'hôtel, je suis garé, je sais pas trop où, alors, bon, devant un mur, certainement, oui, mais je crois pas que c'est légal. En vrai, vous pouvez m'aider, non? Bah non, parce que c'est une vidéo, voilà pour ça, c'est pour ça que j'aime Twitch, parce qu'au moins je peux vous demander de l'aide. En tout cas, j'ai des choses à descendre. Eh! On y est, mesdames et messieurs, c'est la salle du TVG, elle est tellement plus belle que celle de l'année dernière, vraiment. Je suis en train d'installer tout mon setup, que vous voyez ici, c'est une vraie galère, j'ai cassé mon pied, voilà, regardez. Il est cassé, voilà, il y a du scotch ici. Bref, c'est dégueulasse, mais vas-y, on s'adapte comme on peut parce que c'est l'ambiance. Est-ce que tu peux me dire un mot en rapport avec le gaming qui n'est pas en rapport avec le gaming? Ma maman. Elle a streamé avec moi, c'est pour ça. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Eh, c'est son test. Ça va passer. Moi, tu fais comme ça. J'ai toujours ma montre. Tu me regardes bizarrement, là. Allez, super. Dans les deux, ouais. Non, c'est dans aucun. Dans les deux. Ah oui, non, vraiment, c'est dans les deux. Dans les deux. Hein. Ah non, les tests Covid, c'est. Non, non, c'est trop tard, c'est bon. Tu l'as dans une, tu l'as dans l'autre. Ta deuxième narine n'est pas très loin, la première. C'est tout bon. Pourquoi j'ai deux traits? Bon, les frérots, on va directement aller à l'hôtel. Enfin, en fait, on est à l'hôtel, je suis con. On va aller dans ma chambre d'hôtel, ce serait déjà pas mal. On va la visiter parce que, en fait, ça, je suis là depuis 3 heures.
et je l'ai toujours pas visité parce que j'ai voulu installer mon PC, installer tout mon setup et tout. Mais en fait, je me suis rendu compte que mon PC marchait pas. Genre il a bouscrin au moment où j'ai voulu télécharger Apex. Et du coup j'ai demandé au staff et ils vont aller changer mon PC, vérifier d'autres trucs, bref. Du coup en attendant je vais m'installer dans ma chambre d'hôtel. Regardez-moi ce plan de cam. Est-ce qu'il est pas plutôt stylé? Genre, salut. Ça fait un peu très Noël la déco. Genre en plus il y a un petit truc télé video games, Amnesty International. Je suis dans la chambre 526. Je pense aller où là? Ah il y a un trou, regardez, c'est peut-être de l'autre côté. Attendez, regardez. Ici, elle est là, regardez. 526. Je vais me perdre le matin, les gars. Ah, moi, je vous le dis. Je crois que je suis dans la chambre de Ro, RL, qui est un streamer Rocket League. Mais à côté de moi, il y a Chinou, avec qui je m'entends très très bien. Et du coup, trop content. Parce que du coup, genre, la nuit et tout, je pourrais aller, la balayer et lui taper la tête. Peut-être lui couper les jambes. 512 à 540. Je suis pas allé dans le bon sens, les gars. Je suis paumé. Ah, 526. Mesdames et messieurs, nous avons passé notre carte. C'est l'air. Ça a marché. Et laissez-moi vous découvrir l'hôtel. Oh mais regardez-moi ça. Oh mais il y a Ro qui a déjà pris son lit. Il m'a laissé côté mur, il est trop gentil. Mais wesh. Il s'est déjà bien installé en plus et tout. Au niveau de la vue, alors on a la vue sur des passants. Oh sinon on a une vue pas mal, hein. Je pense que demain sera bien. Non, le bâtard. Il s'est installé sur les deux lits, les gars. Regardez, il y a un câble de chargeur ici. Ça se trouve c'est pas ma chambre. Peut-être qu'il avait prévu de dormir avec une meuf. Bref, c'est pas grave. Je vais dormir avec. On se retrouve pour un prochain plan avant 2014. J'ai un plastique sur tout le monde. Tu veux manger? Oui. Ah mec, je n'ai pas mangé depuis 3 jours. J'ai plus de voix, regarde, faut que je la récupère. Ah mais jure, on peut voir que c'est qui les gros lards, genre qui ont pris que des trucs de... Oh non, j'ai pris que des trucs sales de ouf. Blazix là, regarde. Poulet écrasé de pommes de terre. Penne bolognaise sans poids. Moi, je prends le spaghetti. Eh mais attends, c'est trop drôle chez nous parce que quand j'essaie de filmer ton truc, on te voit pas. Linguini. Putain, t'as vu que je suis obligée de me mettre ça. Sur le point de pied, et t'es même pas à ma taille. Non, en vrai, ça va, 1m61,5. C'est con de sortir avec un volet. Hein. Faut qu'on fasse des TikTok de danse. Ok. Genre, tu te marques et tout sur le mur et moi, je suis là. Tu sais qu'en vrai, je pense que si je monte mes fesses, tu perces. Je perce sur ton cul. Oui. C'est chaud quand même. Tu veux percer mon cul? J'ai pas dit non. Merci Sharon. J'ai pas dit non. Cette vidéo s'auto-détruira quand Bichard aura une meuf. C'est-à-dire jamais. T'es un bâtard alors qu'il pêche plus que toi. Qui toi? Toi? Bichard? Je t'ai pas au courant. Sur ma vie. Je parie 500€ maintenant qu'il a plus de DM de meufs que likes. Alors c'est vrai ou pas? Mais non, tu connais. Y'a des meufs, elles se déplacent pour voir ces matchs d'arbitrage. On vous voit. Quoi? On vous voit pas? Oui, je prends le téléphone de Bichard pour le filmer pour relancer son match d'arbitre de volleyball. Menteuse! Menteuse! C'est pas pour son match de volleyball que tu l'as, c'est pour son boule! Allô, ouais, ça bug, c'est pas bug de ouf. Bon, écoutez, je présente mon setup pour l'event. Mon PC a des problèmes, il blue screen en plein milieu dès que j'essaye de lancer OBS pour live. Donc ils vont changer mon PC cette nuit. Merci. Et demain, je ferai toutes mes scènes, etc. Et tout est filmé. Je vais montrer ton vrai visage à la communauté. Tout est filmé. Elle a dit c'est une salle. Je vais tout vous montrer. Bon les frérots, il est actuellement tard dans la nuit. Minuit 36, ça fait déjà bien trop longtemps qu'on est réveillé. Ok, donc RL, les gars, il fait du Rocket League sur Twitch. C'est un mec, il est grave bon délire, grave cool. Moi je l'aime trop, en plus il est beau gosse. Je vois pas que dès que je vais couper la caméra... Ça va secouer. Bon, en tout cas je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée. Le jour 1 officiel du TVG qui commencera à 18h. Bon allez, rendez-vous demain les gars. Gros bisous et bonne nuit. Transition caméra. Ça c'est stylé. Bonjour à tous, c'est Bichard, on se retrouve pour le deuxième jour. Enfin le premier du coup. Pour combien tu toques dans la chambre de Chinou? Vas-y. Non je te donne pas 10 balles mais vas-y. Je tenais à vous dire qu'on entend toutes vos conversations. Oh merde. Non mais je vous préviens quoi, pas que vous disiez n'importe quoi tu vois. Non, mais genre parce qu'à un moment j'ai entendu c'est un bon coup. Ça m'a surpris tu vois, venant de vous. Ah d'accord, j'ai capté. Il est sans bon ou pas mon parfum? De ouf. Ah ok. Je sais pas, le ref. Pourquoi il monte en goût comme ça? C'est bon, je sens la meuf les gars, c'est bon, je suis refait. Putain, je sens trop la meuf là du coup. Ouais. Tu sens la meuf là? Ouais.
C'est moi la meuf du coup. Pour l'ascenseur là, ça fait 10 minutes, attends. Ah mais c'est... Il suffisait de dire. La... Bonjour. Il n'est pas au courant que je suis actuellement en train de tourner avec sa caméra. Mais... Ah, il m'a grillé par contre. Merde, les gars, on se casse. Vite, Habasalek. Oui. C'est moi. Oui, bonjour. Hein? Pourquoi vous êtes dépité? Ah. Ah oui, ah oui, ah oui. Hey, quelque chose à dire pour les gens qui croient qu'on se parle plus? Bah vous cassez les couilles, voilà. Renseignez-vous. Après, c'est vrai que la dernière phrase que tu m'as lâchée, c'est « baisse ta mère, sale pute ». Voilà, dans moins de 3 heures, on part en live. Directement, normalement, presque tout est confit, mon PC remarche. Va falloir que je commence à installer cette caméra, puisque la caméra que j'utilise pour le vlog, c'est la même pour le streaming. Et c'est la même qui sera utilisée sur le stream backpack, parce que cette année, j'ai un stream backpack, on va pouvoir se balader tous ensemble. T'es beau, Sodé? Viens faire un bisou. Non, non. À toi. Non, non. Non, non, non. Ah. Du coup, on fait quoi, là? Un vrai bisou. Hein? Un bisou. Non, non, un bisou. Ah ouais. Ouais. Tu peux me faire un bisou, s'il te plaît? Ouais, y'a pas de galère. Vas-y. Oh! Dans quelques secondes, plus de 45 streamers s'uniront et deviendront le bras armé du TVG7 au profit d'Amnesty International. Les gamers ont du cœur. 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 Bonsoir Twitch. Bonsoir, bienvenue au Télévideo Game. Ça commence bien l'événement. Qui dit stream caritatif? Dit streamer. Mais moi je trouve que c'est un peu vide quand même. J'ai envie de vous dire, streamer, êtes-vous prêts? Voilà. Mais je pensais que vous me trolliez. Mais je vous promets, je pensais que vous me trolliez. Mais quoi? Let's go. Oui, bonsoir. Bonsoir. Mais je pensais que vous me trolliez. Bonsoir tout le monde, bienvenue pour le Télévideo Games. Pour la 7ème édition du Télévideo Games aujourd'hui, on est pour Amnesty International. On va changer notre premier panel de donation parce que voilà, c'est le cas. Hein. On a, mesdames et messieurs, des donation goals prévus pendant cet événement. Tous les 40 euros, je vais pcheater un streamer, d'accord? On va pcheater qui? Mais on va pcheater Paresse. Je vais aller pchit, vous êtes prêts? Ok, c'est parti, j'y vais. Premier degré, j'en ai vraiment chié. Ouais. J'ai préparé tellement de choses pour pouvoir me retrouver aujourd'hui ici présent et on... Je suis désolée. Déjà, d'entrée de jeu? Mais ça a pas commencé! Je viens de me prendre une faciale. Bien joué les potes! Bon, j'ai mis Minecraft. Alors, la question c'est, est-ce que ça va marcher? Ça, je m'en fous. Ça je m'en fous. On peut parler dans la chaîne de riz, y'a un mumble à l'intégrer. Oh non, du coup ça marche pas. Oh non, je suis une merde. Oh non, je suis une merde. J'ai mis échappe. Mais du coup à chaque fois que je fais échappe, ça me m'inquiète. Ah, je peux plus rien faire. Attends. Non, 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 non. Oh, j'ai baisé mon jeu. Mais c'est pas... Mais ça commence déjà! Si, pour les 5 euros, Flumit! Je passe jamais, mais bon événement à toi. Merci beaucoup, Flumit. Ça fait trop plaisir pour Amnesty International. Ça a combien? 1, 2, 3, 4, 5... Le câble. Tiens, je te le rends, c'est bon. Remouille-moi encore une fois. Je suis comme toi. J'ai plus les alertes. Mais je pense que... Ah hey, tu vas vite, hein. Un euro plus un euro, ouais, peu importe. Excuse-moi, je cours partout. C'est bien de courir. Moi aussi, j'aimerais bien courir. Tu crois pas que tu cours déjà assez dans mes rêves? Derrière toi. Attends, mais ta cagnotte, elle doit être là-bas. Non, ah non, pas merde. Pas, t'as, si ça se trouve, ta cagnotte... Tu veux venir jouer avec nous, toi? Bien sûr. Allez, viens, let's go. Quoi?
Je me suis encore pris une faciale, c'est la troisième fois aujourd'hui. Oh putain, la douche. Mais c'est bien, ça te réchauffe. Je sens que t'as froid. Il y a un prix sur l'échelle de mes couilles. De Scoville ? Ouais. Sur l'échelle de Scoville, celui-là, je pense qu'on est sur du 150 000. On est parti pour 30 secondes. On a un petit pot. Au bout des 30 secondes, on crache. On avale pas, comme ça, on se fait pas mal au ventre. Le but, c'est pas de se faire un ulcère ou de vomir. À main, à bouche, à fond, l'endier. Oh putain. Eh, c'est un poivron. Marche ! Marche ! Oh ! Oh ! Oh ! Ah ! Ah! Oh, mec! Je l'ai mâché! Bah. Ah! Ça arrête! T'es un enculé! Ah, c'est potable? Ouais, c'est potable. Ah! Elle m'a dit que c'était un poivron! Alors, le deuxième piment. Ah, dis ta mère. Hein ? Ouais. L'épilation ? Ouais. Ouais, vas-y. Vas-y. Elle a pas vu, attendez. C'est moi ou j'entends pas très fort ? Eh, je vais changer son fond d'écran, elle a pas vu. C'est moi ou j'entends pas très fort ? Attendez, mais qui... pourquoi il regarde mon live, le ref ? Je vais changer son fond d'écran, elle a pas vu. Pourquoi tu regardes mon live ? C'est pour voir ce que tu faisais. Je t'épile. Ouais, tu... Là ? Ah oui ? Maintenant ? Ouais, vas-y. Ok. Les deux jambes. Les deux jambes. Une. Deux. Bon, on a dit une. Bah non, deux. Ok. Attends. Moi, j'ai mis sur les poils où ils sont bien longs, mon ref. Non, mais là, tu veux que je te dise un truc sérieux ? Tu vas me rouvrir ma cicatrice. C'est quoi cette cicatrice ? Tu veux la vraie histoire ? Ouais. Quand j'étais en 2010 environ, j'avais 10 ans. Ouais. On est parti en Afrique avec mes parents. Ouais. Et on est parti dans un zoo. Et en fait, en Afrique, le problème, c'est que les zoos, ils sont un peu mal encerclés, etc., tu vois. Et à un moment, t'as un singe qui est sorti, et tu sais, le singe, il a des grands griffes, et il m'a attaqué la jambe, et ça m'a fait une cicatrice comme ça. Vraiment ? Non, c'est un mytho. Oui ? Bon, je te raconte la vraie histoire. J'habite à Metz, à côté d'un camp de manouches. Et en gros, un jour, bah, il y a mon frère qui était dehors, et ils ont voulu racketter son téléphone. Et du coup, bah, j'ai commencé à me mêler un peu avec eux, et il a pris un couteau et il m'a ouvert là. Oui, alors du coup le dernier, je me suis cassé la jambe au foot et on a dû m'opérer parce que je faisais un syndrome des loges. Sérieux ? Ça c'est vrai. Regarde, attends. Je sais pas si ça se voit bien. Si ça se voit, regarde. T'as un rectangle, mec. Ah, c'est trop, mon rêve. Tu veux pas non, faire les fesses plutôt ? Vraiment, moi c'est utile, genre. On l'aurait pu le faire en stream, je le fais ce soir, tu veux. Ok, ce soir, ok, hein. Ok. Non. Là, t'as fait où ? Là, je veux bien la stopper. Là ? Comme ça ? Ouais. Ça, d'enculé. Non, arrête ! Non. Incroyable, combo. Ah ! On fait un jeu, ok ? Ouais. Si tu réagis pas, elle mange un morceau de piment. J'arrive bien. Ouais, j'ai raté, je suis désolé. Je pense que c'est validé. Largement validé. J'ai juste mis la langue. Non, mec, je peux pas. Si t'arrives à le mettre en bouche. Juste la langue. Sans réagir pendant 10 secondes, il doit remanger du piment. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et demi. En vrai, je comprends, mais oui. Pourquoi ça pue ici ? Il y a quelqu'un, il a pété. Hein. Ah non, je rigole, zéro. Je vous jure qu'il y a quelqu'un qui veut de la Chine. Je rigole zéro. Mais il y a personne autour de moi. Il y a un mec, il est passé là, la Chine caisse. Je rigole zéro. Ah non, mais vraiment. Elsa ? C'est toi ? C'est toi ? Oh. Oh non, mais non. Mais là il marque quoi 285, je suis pas sûr que ce soit bon. Merci pour les 20 0€. Comment il a pu donner 0€? Meuf, je viens de recevoir un don de 0,00. Merci beaucoup la chienne à Golest. Merci beaucoup le daron à Golest. Oh, c'est des bâtards. Tu me détestes en vérité? C'est vrai quoi. Allez, venez. Vas-y. Bon, j'accepte.
Accepte, Fat. Oh, Bijou, tu m'as fait peur. Elle vient de montrer son cul. Y'a pas de peine, puis elle vient de montrer son cul quand même. Oh, c'est vrai, ça. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce premier jour de TVG. Il est actuellement 1h30 du matin. Certainement. 2h déjà. 2h du matin. Là, je vais aller me coucher. Le but, c'est que je me réveille vers 10h grand max. Que je prenne mon petit déj et que j'aille stream vers midi, on va dire. Je vous souhaite tous une très très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain pour un nouveau stream. Et en fait, non, dans vous, c'est dans quelques secondes. Mesdames et messieurs, on est au jour 2 de ce TVG. Parce qu'il y a le jour 0, c'est le premier. Le jour 1, c'était hier. Et le jour 2, c'est déjà aujourd'hui. Donc ça fait déjà 3 jours qu'on y est. Putain, c'est fou en vrai. Ça passe vite. Hein. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, on va vers 11h30 à midi aller tourner un Jokes de Papa avec Cheb, avec Pacam, avec Nencha, avec pas mal d'autres streamers aussi. Je vais être l'arbitre de ce Jokes de Papa, ça va être trop drôle. En plus, on va dans un endroit un peu spécial, vous verrez. Je vous montre juste ma morning routine. Donc, je prends une douche, je m'habille, et bien évidemment, je mets un petit produit pour les cheveux, pour avoir un minimum de cheveux bouclés. Et vous pensez que c'était naturel? Non, en vrai, naturellement, j'ai les cheveux lisses, en fait. Enfin, presque. En fait, avant, je les avais bouclés, sauf que il s'est passé que j'ai fait des défrisages, et du coup, bah, ils sont mi-lisses, naturellement. Maintenant, du coup, je mets un petit produit tous les matins pour les boucler. Enfin, pas tous les matins, c'est tous les matins où je veux pécho, parce que les autres, je ferai rien. Non, non, mais là je veux juste être beau gosse, tu vois. Après, ça me dit, la porte était ouverte. La porte est ouverte? La porte est ouverte. On a dormi la porte ouverte? Tu l'as pas fermée, gros. En fait, je t'explique, du coup. Parce que, du coup, il y a des gens qui voulaient me rejoindre. Allez, let's go. On se retrouve tout à l'heure. Bienvenue les gens dans ce jour 2 de TVG. Je viens de me péter le cul dans cette piscine à ballon. Voilà. J'ai réfléchi à 2-3 conneries à faire, j'avoue. Mais j'ai pas encore trouvé à qui. Sodé, est-ce que ça a dit de faire un truc drôle? J'en viens, on va sur un PC. On va sur Streamlabs parce que les gens ont connecté leur Twitch. Ouais. Et on change les alertes avec une photo et une voix un peu drôle. Moi, je te propose qu'on va chez Juliette. Parce qu'elle m'a fait chier hier. Vas-y, let's go. C'est le PC de Juliette? Ouais. C'est ce que je recherchais. Théma, c'est algérien. Attends, laisse-moi, je peux filmer. C'est Théma, c'est algérien. Regardez le mot qu'il a mis. On connaît tous ce jeu sur Twitter. Il a mis Barbès, mec. Bambou. Putain, ça casse les couilles. Oh là là. Viens, on active ses follow, la notification des follow, et là, on met une photo. Comme ça, au moins, elle a juste à désactiver. Juliette! Mais en fait, je suis en train de me dire. Ah non, là, ça va lui péter les oreilles. Écoute, est-ce que ça t'a pété les oreilles? Peut-être. Un petit peu, mais écoute. Vous avez un tricotillo? Ouais, c'est ça. Juliette! Ah, mais c'est que à droite en plus, c'est horrible. Merci, n'hésitez pas à faire des dons pour Amnesty. J'ai pas envoyé le lien, mon lien de donation. Du coup, on voit pas mon compteur. Alors, tu me suis? Allez. Qu'est-ce que du maïs avec du thé? Maïté. J'ai perdu. Quelle est la différence entre un cunnilingus et un lapsus? Une erreur de langue et vous êtes vite fait dans la merde.
Elle était puissante. Oui. Double tranchant, évidemment, genre de c'est la meilleure. Merci, monsieur. Bon, s'il savait. S'il savait. S'il savait. Bois, bon gars. Allez. Bon. Oh, qu'est-ce que c'est que cette lutte là? Je l'ai fait, je l'ai fait, j'ai soulevé Lilith. Allez, merci à tous, merci, merci. Aujourd'hui, on va accueillir Bichard dans mon salon de coiffure. C'est plus qu'artiste, c'est skirtiste. On va lui raser le crâne, la famille. Tu veux quoi comme coupe? Moi, je veux dégrader, barre blanc. Les gars, je suis pas sûr de l'idée, là. Attends, tiens, je tiens à me dire. Ouais. Je veux que t'appelles ma mère. Et je veux que tu lui dises mot pour mot que tu me feras pas de coup de pute. Oh non. Tu peux pas mentir à une daronne. Allô, maman, skirtiste, il veut te dire un truc. Bah écoutez, je promets de pas rater la coupe de votre fille, je vais faire de mon mieux. Boule à zéro? Non, non, mais non, t'es folle, toi! Allez, silence! T'es folle? Non, non, non! Silence, silence, non, non, silence! Non. Voilà, bisous, maman, je t'aime! Non, mais. Ça va bien se passer! Jure, t'es. Jure, non! Ça va bien se passer! Fais-moi confiance! Fais-moi confiance! Le coiffeur, il fait pas comme ça! T'inquiète! Tu me fais pas de trait, hein! Mais t'inquiète! Ça va le dégrader déjà! Je suis pas dégradé, hein! Vive ma mère, je le fais bien! Non, je rigole, non, je rigole pas! Hein. Non, je rigole pas! Non, je rigole mais zéro! Non, mais je te jure, ouais! Vide-moi, j'ai peur! Tourne-toi pour le moment, tu vas voir! Tourne-toi! Les gars, pour le moment, ça va! Oui, c'est pas droit! Ah, parce que je peux pas baisser, donne, vas-y, j'arrange. Je te jure, t'es léger. J'ai bien fait. Fais un petit troisième. Ah non, juste là, oh là là. En fait, faut jamais faire droit derrière, faut faire un V. Oh là là. Non, mais là, ça va, les côtés. Et tu sais, c'est quoi? C'est les coiffeurs de quartier à la fin, ils disent ça, attaque beau gosse. Alors qu'il t'a niqué le crâne. Les gars, applaudissements, s'il vous plaît. Les gars, applaudissements pour moi quand même. Ouais. Bichard! Attendez les gars, il est triste, je vais aller le voir, j'arrive. C'est ça que tu voulais dire? Tu viens de pipi d'un gars là? Non, non. Eh l'enfoiré qui me mouille, on va se battre! Non, non, c'est pas moi. C'est incroyable que ce soit passé. Je sais c'est qui. Je vais vous montrer un truc parce que c'est lui qui m'a mouillé, je vous le dis. C'est lui qui m'a mouillé. Je vous le dis, on va le fumer. Vous allez voir. Bien joué mon frère. Les deux, je te le dis. Là, s'il faut combattre, force à toi. Ah ah. Il m'a baisé. Putain, je pensais que c'était passé crème, genre. Bonsoir, bienvenue pour ce troisième jour de TVG. On est le samedi, les gars, et c'est vraiment génial. Et les premières blagues se font ressentir, mesdames et messieurs. Comme vous pouvez le voir, on a un setup qui a été rempli de papier toilette. C'est le setup de Pandaman. Panda. Richard, c'est pas drôle. Malheureusement, il y a des groupuscules qui nous empêchent de faire notre travail. Apparemment, d'après les preuves laissées sur place, les criminels ne sont pas très malins. Il s'agirait de la vengeance de Bambi. Et ici, dans cette salle, il me semble qu'une personne a le surnom qui commence par de Bambi. Quoi, c'est Bichard? Non, c'est... Ok, c'est pas moi. Il m'a pas cramé. Ne t'inquiète pas, j'ai confiance. La vengeance sera terrible. J'ai besoin de quelques minutes pour la préparer. Quoi comme vengeance? Pouvez-vous nous en parler? J'ai pas encore trouvé, mais il faut que je me procure un airbag de voiture. Vous connaissez Elon Musk? Oui. SpaceX, les fusées? Oui. Bon, on va monter les gars et on va aller faire du sabre laser. Là maintenant tout de suite. Ambitieux sans doute, c'est pas une question rapide. Ça va les amis? Tiens, j'ai attaqué le vendeur. On va terminer. Jean-Michel Estive. Explosé déjà. Enfin, en tout cas, c'était grave cool cette petite session sur sabre laser. En vrai, c'était vraiment stylé. Comme en vrai, en fait, c'est trop cool. Mais tu sais que je suis en partenariat avec une marque de sabre laser, pour de vrai. Si, en France, qu'elle s'appelle Solari. Ils sont grave cool.
Allez, on va partir stream, là. Un plaisir, bonjour. Est-ce que tu vas être gentil avec moi? Attends, juste, je me permets, hein. Deux secondes. C'est une lunette de vue, c'est pas juste des merdes qu'on achète sur internet. Oui, c'est... Je pense que ça coûte cher. Oui, c'est pour ça que je les ai enlevées, en fait. C'est pour ça que je les ai enlevés. Il fallait que je sois gentil, un minimum, genre. Un minimum de gentillesse. La Gaïa, par hasard, t'as un bouchoir? Pas de soucis. Ouais, vas-y. Sur le t-shirt là. Tu veux me chercher à manger, j'arrive. Oui. Pas un mouchoir? Merci. C'est de la bonne. Bon. Assaisonner les bichards. T'as vu, je t'enlève le sac. Ça enregistre là? Ouais, là ça enregistre. Ah oui. Je t'enlève le sac, non? Bonjour. Ah oui, ouais, pardon. Attends, je peux pas. Il y a eu le feu vert, je suis désolé. Je suis en train de bouffer ton sac. Bon, bonjour. Du coup, nous voilà à Paris. Nous sommes à Paris pour un event qui est Lacoste X Minecraft. Et en fait, du coup, nous on va passer la soirée là-bas. On va aller voir des poteaux et tout, ça va être trop bien. Du coup, on va essayer de vous vlogger tout ça. Et on espère que ça vous plaira. C'était très drôle, on a conduit sur Paris, enfin Fares a conduit sur Paris et c'était vraiment quelque chose. Hein. Fallait voir, regardez comment il est serein là. Je crois que c'est le parking, mais il regarde l'entrée de parking, même une souris elle rentre pas. Non, c'est incroyable, hein. Vraiment c'est abusé. Hein. Normalement ouais. Ils ont prévu genre une map qui s'appelle Croco Island et tout et on pourrait y jouer dessus et tout. A voir si en vrai je peux vous record le PC. Je pense qu'ils ont installé OBS, tu vois. Record et je vous mets un petit passage. Dans ce vlog qui est un peu déjà trop long, certainement. Moi par contre, tu te gardes plutôt en marche arrière ou en marche avant? Marche avant. Plutôt en marche arrière. Ah ouais? Je suis un pro de la marche arrière, vraiment premier de bien. Moi je déteste la marche arrière. Ah non, je gère trop la marche arrière. Je sais pas gérer le cul de ma voiture. Alors que moi, des culs, j'en sais gérer. C'est faux, c'est faux. Casser les couilles. C'est tout. Votre streamer là. Bon, à tout à l'heure. Bisous. Alors, la machine, bonjour. J'étais en train de récupérer mon sac, hein. C'est pour ça que j'avais posé ma tête sur son épaule. Je tenais à préciser parce que ça a commencé à dire des gueules. Non, en vrai, l'event il est vraiment bien, genre c'est stylé niveau ambiance et tout. Et moi j'ai faim, du coup bah, on va aller chercher à manger dehors. Et ils vont chercher leur moto clairement, ou quoi là, c'est long. J'avoue que Théo et Eva là, bougez votre cul là. Vous êtes longs. Non, franchement, mais ça c'est les tutos ça. Les tutos là. DMZX, c'est ton moment. Je te déteste quand je vais pas partir de ta chaîne. Ah non, c'est vrai que je t'aime pas. J'ai trop. Non, mais je rigole. Saumon dans l'histoire. Non, moi je t'aime pas. Ah ok, bah parfait alors. Mais non, j'ai cherché un McDo. La question c'est, est-ce que demain je vais être un minimum réveillé? Mesdames et messieurs, bienvenue pour ce dernier jour du télévideo game. Je suis exposé. Bon, vous l'avez suivi un petit peu hier on avait rendez-vous avec Shin pour la soirée Lacoste X Minecraft. C'était grave cool, très bonne soirée. On est rentré avec Shin, il était 4h30. Et là il est actuellement 9h. On va descendre, manger et vers 10h streamer. Parce qu'aujourd'hui c'est la dernière journée du télévideo games et je vais en profiter à fond. Allez, c'est parti. Les gens qui me regardent, je pense qu'ils vont cramer. Mais je vais réussir à me barrer avec. Bonjour, bonjour, c'est bon ? C'est excellent. C'est excellent, ok, c'est parfait. Bon bah, les gens ont l'air de plutôt bien aimer les salades qui sont proposées. Notre cher ami Tinstar qui est en train de parler. C'est à quelle meuf que tu parles maintenant ? Parce que hier c'était Clara, aujourd'hui... Ouf. Ah oui, ok. Sacrée meuf quand même. Mais en plus, enfin, elle a quand même beaucoup d'abonnés.
Comment ça, la boucle d'abonnés? Non mais vraiment. Ah mais attends, c'est la même. Hein? C'est la même que... Non, ça séparé. Non. Je suis en live. T'es en live là? Salut les gars. Rentre en live. Je me suis dit que ça se voyait, non. Et après je me suis rendu compte que tu savais peut-être pas en fait. Souvent y'a rien. Bon, ok. Alors là je vais dans un endroit interdit, hein. Je vous le dis. Hein. C'est clairement interdit là où je vais, je vous le dis. C'est clairement défendu d'y aller, mais... Pourquoi la porte elle a pas tenu? Bah ok, mais du coup je vais dans le parking, mais comment je reviens? Est-ce que vous pouvez demander à un streamer de venir m'ouvrir la porte du garage? Enfin du parking? Oui! Oh merci Pacam! Merci Pacam d'être venu... Non, 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 non! Il a laissé la porte s'ouvrir. Est-ce que vous pouvez demander à Hughes de Ah non, c'est bon. Je vais manger en live là. Ouais, bah nickel. Moi aussi, j'aime bien manger justement. Bah viens, vas-y, c'est toi. Et vos gosses? J'ai cru qu'il te parlait à Aurore, je me suis dit, mais quoi? Mais c'est avec Clara. C'est parce que tu sais, qu'elle m'a demandé pourquoi. Adélaïde vient me demander comment il s'appelle. Il s'appelle Bichard. Mais tout le monde appelle Bicharo. Donc, je capte à mon avis qu'elle a dû avoir une info. Donc, je dis, on l'appelle Bicharo. Elle est un peu dubitative. Et je dis, avant, on l'appelait Bichard. Mais l'année passée, au TVG6, il a chopé 8 meufs. Et du coup, c'est pour ça qu'on appelle Bicharo. Je suis en live. En live. Je suis en live. Vraiment en live, là? Bah oui. Non, c'est mais c'est une expression, quand je dis 8 meufs, il a joué à des jeux avec 8 meufs. Hein. Et il n'a pas couché avec les 8, attention. Il y en a une qui voulait pas. Bien évidemment, on lui fait croire, c'est une blague. Ouais, c'est une blague. Que t'as pas ramené. Ok. Vas-y. Attention au moins. Les gars, en fait, il y a Bichard, il va me maquiller maintenant. Comme ça, quand je vais faire l'interview. Pardon, excusez-moi, j'ai trébuché dessus. Putain, j'ai trébuché dessus, ça va exprès. Hein? J'ai tapé là. Ah. Faut enlever, c'est ça couvert. T'as fait un autre truc. Non, faut taper là. Ok. C'est pas un micro que tu vas me donner, hein? Non, mais faut pas taper pour enlever la poudre. Un petit peu, ouais. Bah voilà, tu fais les choses bien. Ferme les yeux. Attends, ouvre. Attends, c'était où j'avais mis? Ok, ferme. Les frérots, c'est la fin de ce TVG7 pour merci moi. Les gars, merci les gars. Je vous fais tous un très gros bisou, je vous remercie beaucoup pour ce TVG. C'est encore une expérience incroyable. Merci, merci. Je suis trop content de ce qu'on a pu faire. Je roast directement les players du dimanche. Merci énormément pour tout. Je vous fais un gros gros bisou. Merci d'avoir récolté 4 060 € de dons pour Amnesty et juste ma commu quoi, c'est fou. Vraiment énormément. Merci pour Nations Glory aussi. Merci Romain, t'es un crack. Voilà, gros bisous à vous. C'était Bichard. Je voudrais tout d'abord vous remercier à tous et à toutes. 350 907 €, c'est une belle somme. Bravo. On devait faire un live de 75 heures. Malheureusement, les 18 heures qu'on a perdues, on ne pourra pas vraiment les récupérer. Par contre, souvenez-vous, l'année dernière, on avait levé 212 000 euros. On avait voulu faire la fête. On l'a faite, mais pas vraiment comme on le voulait. Cette année, je tenais vraiment à vous remercier et remercier aussi les viewers. C'est pourquoi, d'ici quelques minutes, il y a des DJ qui vous attendent et la fête, on va la faire ici ce soir. Ouais. Attention, une bonne nouvelle n'arrive jamais seule. Il y en a une deuxième aussi. Vous voyez le compteur, il est à zéro. Mais en fait, c'est pas vrai. La fête, on l'a fait jusqu'à 1h du matin. Donc il y a encore 4 heures au compteur.